Alors, la Jeune Chambre économique de Shanghai, c'est une association qui est rattachée à la JCEF française, donc la Jeune Chambre économique française, qui elle-même est rattachée à la JCI, la Junior Chamber International. Et en fait, c'est la plus grosse ONG au monde de citoyens, de jeunes citoyens entre 18 et 40 ans qui s'engagent personnellement à faire progresser la société. Alors, c'est un très grand mot, mais concrètement, à quoi ça consiste, c'est, comme le dit bien, je trouve, notre slogan, le mouvement des jeunes citoyens entreprenants, d'entreprendre, donc oser passer à l'action et entreprendre des projets en fait, que l'on fait naître au sein de l'association, que l'on teste, on regarde si le business model est viable, on développe des partenariats, on trouve vraiment un marché. Et une fois que le projet a été incubé au sein de l'association, alors il a pour vocation à être transmis, donc à être transmis à une entreprise, à devenir lui-même une association et continuer à se développer en dehors de la Jeune Chambre économique. Donc aujourd'hui à Shanghai, on a 45 membres. 45 membres qui sont tous bénévoles et actifs dans le sens où ils participent activement au développement de leurs projets. Donc ce sont des projets qui peuvent être aussi bien à portée économique, culturelle, communautaire, avec un lien commun quand même, ce sont des projets sociaux, donc l'aspect social qui est fort. Il y a aussi le projet Shanghai Young Bakers qui en fait forme des jeunes chinois issus de milieux défavorisés, des orphelins, au métier de la boulangerie et de la pâtisserie. Donc aujourd'hui c'est une école qui fonctionne bien et qui forme plusieurs Chinois chaque année. Le forum Travaille Ensemble aussi par exemple, c'est un forum qui a lieu à Shanghai, Pékin et Canton et qui a pour but de mettre en relation sur une journée des grands groupes français avec des PME françaises. Donc voilà, vraiment travailler ensemble, c'est très important quand on est à l'étranger. Donc c'est une association qui est à Shanghai depuis 8 ans, qui a de très bonnes relations avec les autres acteurs au service de l'économie française en Chine, tels que l'ambassade, le consulat, Business France, la Chambre du commerce et de l'industrie française à Shanghai, les conseillers au commerce extérieur, la mission économique, les autres associations à Shanghai. Donc je vous encourage vivement à venir nous voir, à venir nous rencontrer et participer aux conférences et autres ateliers. C'est vraiment un bon moyen de s'intégrer dans la société shanghaïenne.